Bonjour à tous, ou bonsoir. On va faire une bisque de crevettes. Allez, c'est parti. Allez, du beurre, de l'huile, un peu d'oignon. On fait revenir tout ça. Déjà une belle couleur dès le démarrage. Alors, des cuisiniers diraient, ouais, c'est pas orthodoxe. Ouf, bah. À la maison, c'est comme ça, et ça a déjà une très belle couleur. On poivre un peu les oignons. J'ai déjà salé. Les oignons sont bien isolés. On y ajoute toutes les têtes de crevettes. Et on n'hésite pas à les faire rissoler, chanter. Ah oui, ça chante. Ça chante, c'est agréable. Et ça sent bon. Bon, les têtes de crevettes cuites, on va les écraser un petit peu avec une cuillère à bois. À côté, j'ai prévu de l'armagnac. On va le faire chauffer, on va faire flamber les têtes de crevettes. Les crevettes crépitent, l'armagnac bout. On va mettre l'armagnac sur les crevettes et ça marche pas et ça flambe et ça c'est magnifique. Regardez comme ça flambe bien. Bon, là c'est fini évidemment. Donc là on va diminuer. On va remuer. Voilà, c'est plein de sucre. Magnifique. On va y rajouter du bouillon de légumes. Voilà. Et on va laisser cuire tranquillement. Là, j'y ai rajouté quelques pommes de terre. Pour faire un peu d'amidon. Et on va laisser cuire. Et éventuellement rajouter un petit peu de bouillon. Ouais, je pense qu'il faut un petit peu de bouillon. On en a ici. On va laisser cuire. Et tout à l'heure, on va mixer tout cela et passer ça. Je vais laisser infuser toute la nuit. On arrête le feu, on met un couvercle dessus. Et on verra bien demain. Et ensuite, on passe au tamis. On appelle aussi un chinois. Voilà, c'est terminé. Une belle bisque de crevettes. Bien onctueuse pour accompagner un poisson, par exemple. Bon appétit !